Chers curieuses et curieux, l'actu sceptique n'est pas faite pour plaire, il est même possible que vous ressentiez quelques effets secondaires. On passe au titre de la semaine. Les vaccins... avec beaucoup de pédagogie. Une météorite explose à Mayotte, en vidéo. 50 Lillois portent plainte après avoir découvert des seuils de glyphosate dans leur urine 20 fois supérieurs à la norme. Tout ça, et bien plus encore, dans la petite actu sceptique en moins de 10, je suis Mister Sam, vous regardez votre petit point d'interrogation. Les vaccins. Alors, je vais pas vous emmerder avec des arguments de débat. J'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup de personnes anti-vaccins suite à mon petit point de la semaine passée, et j'ai pu remarquer qu'il y avait deux points communs globalement à ces personnes. Si vous êtes dans ce cas, s'il vous plaît, prenez une grande inspiration et écoutez-moi avec votre logique. Je voudrais que vous vous donniez une chance de vérifier vos certitudes. Pas avec votre peur, pas avec vos envies, pas avec votre intuition. Je voudrais que vous m'écoutiez avec l'outil qui vous sert à définir c'est quoi le problème quand votre bagnole tombe en panne. La logique. Les points communs, disais-je, sont ceux-ci. Alors tout d'abord, j'ai remarqué une petite dose de prétérition, vous allez voir ce que c'est. Quand tout d'abord, vous vous présentez comme n'étant pas formellement anti-vaccin, mais... S'ensuit alors tout le discours auquel on est, hélas, en pensée critique en tout cas, habitué. Bah oui, désolé, aucun d'entre vous n'était le premier à me balancer ces arguments-là, on les avait déjà entendus. Parce qu'en fait, oui, vous partagez tous plus ou moins les mêmes propos. C'est pas un argument pour dire vous avez tort, c'est juste un argument pour vous dire qu'on a bien compris ce qui vous a convaincu et on a bien compris pourquoi ça vous a convaincu. Vous avez écouté. Donc je voudrais que vous essayiez au moins de vous poser la question sincèrement avec de la logique pure, Parce que moi, par exemple, si mes arguments ne convainquent que moi, et ceux qui sont déjà convaincus par ce que je vais dire, si je ne suis capable de convaincre autrement qu'en conseillant aux gens d'écouter le ou les experts qui m'ont convaincu, et si en plus de ça, lorsqu'on contredit les choses qui m'ont convaincu, je ne suis pas capable de les défendre de façon efficace. Peut-être qu'au fond, ça veut dire un truc important, ça veut dire que je ne maîtrise pas mon sujet aussi bien que je l'imagine. Ok, je dis pas que c'est faux, je dis juste maîtriser le sujet. C'est important de se rendre compte de ça. Accordez-moi un peut-être, ok? Juste un petit peut-être. Peut-être que vous maîtrisez pas votre sujet. Deuxième point commun, ces anti-vaccins, qui se présentent pas comme des anti-vaccins, se réfèrent tous, et là sans exception, à un ou plusieurs experts, je l'ai dit. Question d'une logique enfantine. Comment savez-vous, vous qui n'êtes pas bête, mais qui n'y connaissiez rien, ou si peu, avant que cet expert vous prenne par la main pour vous parler des coulisses de la vaccination? Comment savez-vous que cet expert ne se trompe pas, ne vous ment pas? Comment savez-vous qu'il ne vous a pas présenté une version qui, évidemment, va conduire à sa conclusion, parce qu'il n'est pas bête non plus? En d'autres mots, comment faites-vous pour savoir que c'est cet expert qui a raison, et pas les autres qui le contredisent? Parce qu'il parlait bien? Parce que ce qu'il a dit colle avec votre conception déjà établie du monde? Est-ce que c'est vraiment des preuves suffisantes? Est-ce que ça suffit pour être certain qu'il a raison? Vous qui, on l'a vu, ne maîtrisez peut-être pas si bien le sujet que vous le pensez. Êtes-vous vraiment en mesure de définir si ces arguments sont les bons? Vous avez étudié la question ailleurs que dans les articles anti-vaccins? Vous avez lu les publications scientifiques qui contredisent cette personne? Est-ce que vous avez vérifié ce que cette personne vous a expliqué qu'il y avait dans les publications pour pas que vous ayez à les lire? Est-ce que vous avez vérifié juste ça? Rappelez-vous que je fais appel à votre logique. Si vous êtes suffisamment courageux pour douter ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça demande du courage, hein, je sais bien, eh bien, consultez les articles que j'ai laissés dans la description, dans les sources, en dessous de cette vidéo, pour vous. Parce que les illusions logiques existent. Et à l'image d'un magicien dont on ne comprend pas le tour, même si on est très intelligent, vous êtes, comme tout le monde, comme moi, comme votre expert, bluffable. C'est-à-dire que vous êtes capable de vous tromper profondément avec les meilleures intentions du monde tout en étant persuadé d'avoir raison et de faire le bien. Et donc maintenant, l'actu sur le sujet. En plus des 25 cas de rougeole dans la station de ski la semaine passée, qui par le plus grand des hasards ne concernaient que des personnes non vaccinées, quelle coïncidence, s'ajoute cette fois un drame qui justifie le fait que j'ai pas très envie de faire de l'humour, en tout cas là tout de suite maintenant. L'OMS a annoncé que 922 personnes sont mortes dans une épidémie de rougeole à Madagascar, dont la majorité sont des enfants. Depuis que j'ai une fille, je pourrais chialer juste en lisant cette phrase. Parce que oui, dans cette région du monde aussi, il y a des mouvements anti-vaccins. L'OMS a annoncé une épidémie sans précédent survenue dans un contexte de mauvaise performance de la vaccination de routine. Puisque je vous le rappelle, il faut que la couverture vaccinale soit large et répandue pour que la maladie recule vraiment de façon significative. 229 000 cas de rougeole ont été déclarés en 2018, c'est le double de 2017. Le double. Bref, pour l'Europe, on est passé de 21 000 cas en 2017 à 82 000 cas en 2018, c'est le quadruple. Et ici en Belgique, 14 cas de rougeole ont été déclarés à Bruxelles, et c'est déjà un cas de plus que pour toute l'année 2018, et on n'est qu'en février. Il faut réagir.
Ouais, il faut réagir, vous venez de m'entendre prononcer un engagement éthique sur la chaîne. Haha, n'arrive pas souvent ça. Rappelez-vous que l'OMS considère que le mouvement anti-vax est un des 10 plus grands risques pour la santé au monde. Donc face à toutes ces informations, si vous êtes anti-vaccin, pourquoi serait-il absolument impossible que votre expert se soit trompé? Et si vous apportez une réponse à cette question, est-ce que cette réponse est une preuve indiscutable que votre expert a raison? Parce que si votre dernier recours pour justifier la raison de votre expert, c'est de dire que toute l'industrie pharmaceutique est corrompue et que toute la science médicale est faite de gens qui se sont contentés d'apprendre par cœur sans jamais remettre en question, de tels propos ne sont pas des preuves. Ce sont des arguments qui servent à sauvegarder votre conviction. Donc réfléchissez. Est-ce que vous seriez pas tombé dans le piège? Vos arguments anti-vaccins sont vraisemblables. Je sais que vous êtes pas idiot. Et je sais qu'il faut des bons arguments pour vous convaincre. Mais moi, je suis là pour poser la question qui fâche. Suffit-il que ce soit vraisemblable pour être vrai? Checkez mes sources. Un peu de légèreté à présent avec ce tweet qui nous montre la vidéo d'une météorite ayant provoqué une explosion à Mayotte, une petite île française qui se trouve environ 200 km au-dessus de Madagascar, justement. La vidéo a été partagée entre autres par le très sérieux Express anglais d'Angleterre et le New York Times Post, s'il vous plaît. Sauf que dit comme ça, ça n'a rien à voir avec la pensée critique et donc vous devinez bien qu'il y a une espèce de super twist shyamanalesque à la clé. Cette vidéo n'a en fait rien à voir avec l'explosion de Mayotte causée par une météorite qui, elle, est bien réelle. Il s'agit d'une vidéo filmée en 2016 en Arizona. C'était une petite blagounette pas bien méchante. Mais qu'est-ce que ça nous apprend d'intéressant tout ça? Eh ben, si vous voulez faire un bon fake ou un bon faux complot, n'oubliez surtout pas d'y ajouter l'ingrédient principal, c'est-à-dire un fond de vérité. Il suffit de prendre un fait a priori banal, d'y ajouter une petite couche impressionnante, et hop, vous êtes fin prêt à bluffer la presse, et avec elle, ses gentils lecteurs. Merci Zika pour cette superbe démonstration de foirosité humaine. Parce que c'est vraiment un super exemple de comment on en vient à croire des trucs faux, même quand on n'est pas débile, justement. Parce qu'en fait, je vais vous révéler un grand secret, mais parmi les gens qui croient des trucs faux, les débiles sont pas spécialement plus nombreux que parmi les gens qui croient des trucs vrais. Est-ce que je viens pas d'inventer un sophisme là, l'argumentum ad debilum? En bref, Lille, 50 personnes vont porter plainte contre l'État pour empoisonnement au glyphosate. Alors tenez-vous bien, ils ont reproduit le glyphotest d'envoyé spécial. Et oh surprise, ils ont retrouvé dans leur urine 3 à 20 fois plus de glyphosate que la limite autorisée dans l'eau potable. Les résultats ont même surpris un des plaignants qui ne mange pourtant que bio. Sauf que le seuil fixé pour l'eau potable n'est pas la limite de toxicité. Il s'agit en fait du seuil unique fixé pour l'intégralité des pesticides. Et le but de ce seuil, c'est d'inviter à se questionner sur les raisons d'une telle présence de pesticides dans l'eau. Ce n'est pas un seuil de risque sanitaire. Le vrai seuil de risque sanitaire, on y reviendra après. L'urine n'est pas l'eau potable. Dans la littérature scientifique, on ne compare jamais l'urine aux réglementations sur l'eau potable. Jamais, ça n'a pas de sens. C'est à peu près aussi idiot que comparer les poubelles aux étalages du marché. Merci beaucoup à Bunker D qui est dans les sources pour cette magnifique comparaison et ses excellents arguments. Le calcul ne doit pas se faire sur base d'un taux de concentration dans l'urine, mais sur la quantité totale de glyphosate évacuée par jour. Et il faut comparer ça avec ce qu'on avale et avec la dose journalière admissible. Ma lampe s'est éteinte, la lumière doit être dégueulasse, mais bon, voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve à ce moment-là? Eh ben, on trouve que le taux de glyphosate de nos chers 50 Lillois est pratiquement 100 fois inférieur à cette dose journalière admissible. Défendons la science, même quand elle est innocente des sociétés aux pratiques dégueulasses comme Monsanto, parce que l'amour de la science est beaucoup plus important que la haine de Monsanto. Mes sources sont dans la description, et merci d'aller les lire avant de me planter vos fourches. En bref, toujours, puisque je vois que vous voulez vous révolter contre les saloperies en vente libre qui détruisent des familles en provoquant des cancers, je vous présente les habituels indétrônables grands gagnants de l'année, le tabac en numéro 1, l'alcool en numéro 2. Nous parlons pour la France de 15 000 morts par an de cancers directement causés par la consommation d'alcool. C'est-à-dire 15 000 drames parfaitement évitables. Et quand je dis alcool, je veux dire vin comme whisky, hein, parce que en fait, c'est la même chose. Un verre de vin, un verre de whisky, cancérogénité, pareil. Y a pas de oui, mais c'est moins concentré, tout ça. Non, en fait, y a pas. Le CIRC, qu'on connaît bien pour avoir dit que le glyphosate est un cancérigène probable, est sans équivoque. L'alcool est un cancérigène avéré. Il est recommandé un maximum de 2 verres par jour. Je déconne. Il recommande de pas boire du tout. Et le tabac, ben, c'est bien simple. Vous prenez tout ce que je viens de dire et vous faites grosso merdo x3. Actu de la chaîne à présent, j'ai pas eu de news de mon film, mais c'est un petit peu normal parce que l'audit était hier soir, et donc, bon bah, on verra la semaine prochaine. Question de la semaine à présent, qu'est-ce que vous poseriez comme question de la semaine à ma place? J'ai pas mieux que ça. Voilà, excusez-moi, je travaille beaucoup en ce moment, j'ai très peu de temps pour faire les choses bien, je voulais vraiment me concentrer sur les vaccins, j'ai pas pu faire mieux que ça. Mais c'est cool, si vous trouvez des questions de la semaine chouettes, je les poserai et ça m'aidera, ça me filera un petit coup de main. Il me reste donc à vous dire de bien cultiver la méthode avec laquelle vous mettez des trucs dans le crâne, et à la semaine prochaine.